Hello, c'est Julie de Ladies Colloque Blog. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de mon book haul du mois de octobre. Alors le mois dernier, je vous avais dit que j'aurais moins de livres ce mois-ci. Alors effectivement, j'en ai acheté moins, mais j'en ai reçu beaucoup. Du coup, je pense que j'ai encore plus de livres que le mois dernier à vous présenter. Vu tout ce que j'ai là, je pense. Alors cette année, j'ai fait partie du prix des lecteurs livres de poche dans la catégorie littérature. Et du coup, ils nous ont envoyé un dernier cadeau pour clôturer un peu cette année avec eux. Alors déjà, on pouvait choisir un livre dans la photothèque. Du coup, j'ai choisi celui-ci. C'est... avec Charlotte, Emily et Anne Brontë. Donc en fait, j'avais pas vraiment lu leurs histoires. J'ai déjà lu, il me semble, Les Hauts de Hurle le Vent, pardon. Mais c'était il y a longtemps et j'avoue que je m'en souviens plus trop. Donc je suis contente de pouvoir redécouvrir ces histoires. Alors ensuite, j'ai reçu donc trois autres livres de leur part. Puisque déjà, c'est les deux gagnants dans le prix des thrillers et polars. Donc on a le choix des libraires et le prix des lecteurs. Alors ici c'est Canicule et pour celui-là c'est Les larmes noires sur la terre. Alors c'est des livres qui me tentaient beaucoup mais justement j'attendais en fait de recevoir les livres parce que je savais qu'on allait les recevoir. Ça sert à rien que j'achète deux fois les mêmes livres. Du coup ce sont deux thrillers et bon bah j'espère que s'ils ont gagné c'est qu'ils sont bons. Mais en tout cas celui-là me tentait pas mal donc n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, me donner votre avis. Et du coup, pour les thrillers, j'en parle pas plus maintenant parce que je vais vous faire une autre vidéo sur que des thrillers, donc je préfère ne pas m'éterniser sur ça aujourd'hui. Et pour l'autre livre qu'on a reçu, c'est le prix des lecteurs Document Essai. Alors j'avoue que c'est un livre qui me tente moins, mais bon, c'est La grande histoire du monde de François Reinaert, je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Donc ici, ça a l'air d'être un peu de la géographie et de l'histoire mélangée. Alors ça a l'air très intéressant, cela dit, mais c'est juste que c'est moins mon genre. Cela dit, je connais pas mal de personnes autour de moi que ça pourrait intéresser, donc il est possible que je prête ce livre en tout cas. Ou peut-être qu'un jour je le lise même. Après c'est intéressant, c'est juste que j'ai beaucoup de lectures et que du coup je pense que ça sera pas en tout cas dans mes prochaines lectures. Ensuite j'ai acheté deux livres un peu différents de ce que j'achète d'habitude, mais j'en ai quand même pas mal dans ma bibliothèque. Donc déjà j'ai acheté Accompagner un proche d'Alzheimer et Préparer une aide à domicile. C'est un livre qui m'intéresse beaucoup tout simplement parce que je connais quelqu'un qui a cette maladie. Donc j'ai déjà lu un livre sur le sujet mais je voulais en savoir un petit peu plus et ce livre était assez petit et assez facile à lire donc ça me tentait bien. Ensuite j'ai acheté le nouveau livre de Georgia, Yoga pour une vie qui a du sens. Alors c'est un livre qui me tentait beaucoup, dès que j'ai vu qu'elle le sortait évidemment je me suis empressée d'aller l'acheter. Il y a l'air d'avoir des images magnifiques, il y a des recettes, il y a des choses en fait qui nous donnent l'envie, surtout que moi c'est quand même Georgia qui m'a donné envie de faire du yoga et de la méditation. Donc son livre évidemment que j'allais l'acheter et je suis vraiment hâte de le découvrir davantage. Ensuite j'ai acheté un livre aux éditions Addictive, c'est Dangerous de Rose Baker. Alors c'est un livre aussi que j'attendais beaucoup, j'ai pas acheté, en fait je suivais les sorties des volumes et du numérique, mais c'est un livre que je voulais à tout prix acheter en papier, surtout que moi j'ai une préférence pour lire en papier. Et évidemment, je sais pas, dès que j'ai lu le résumé en fait ça m'a tenté puisqu'ici on est avec April et Terence. Et c'est par rapport à un héritage, ils vont devoir vivre ensemble et évidemment la cohabitation ne va pas être vraiment facile dès le début. Et voilà, on peut imaginer qu'il va se passer pas mal de choses, même d'ailleurs ça a l'air assez surprenant. Bon, je suis en train de lire donc je peux pas plus vous en parler, mais vous verrez la chronique sur le blog de toute façon. Alors même si c'est gros, on sait que les éditions addictives, les livres sont toujours très gros, mais très très faciles à lire et très rapides je trouve. Donc voilà. Ensuite aux éditions Hugo Poche, j'ai acheté Le Songe de Taryn Fisher. C'est un livre qui m'avait pas vraiment tenté en fait au premier abord quand il est sorti en brochet. Donc je l'ai pas acheté et j'ai pas regardé davantage. Et je ne sais pas pourquoi, quand il est sorti en poche, j'ai relu le résumé et tout. Et ça m'a donné envie. Alors je sais pas si c'est le petit format, c'est un peu étrange. Mais du coup j'ai hâte de lire. Surtout que j'ai vu des avis récents sur Bookstagram. Du coup ça m'a donné encore plus envie de le commencer. Et ça va être ma prochaine lecture. Ensuite j'ai reçu deux livres de la part de la masse critique Babelio, enfin c'est deux masses critiques différentes. Donc premièrement j'ai reçu De la nature des interactions amoureuses. Alors c'est vrai que comme ça c'est pas un livre qui me tentait beaucoup, j'avoue. Mais je me suis dit pourquoi pas et puis j'aime bien des fois avoir des livres qui parlent un peu sur les humains, sur la vie quotidienne ou sur la vie de tous les jours, voilà. Donc j'espère que ça va être intéressant en tout cas. Et j'ai reçu aussi Miss de Jean-Claude Lalumière, donc toujours grâce à la masse critique de Babelio. C'est aux éditions Artaud celui-là.
Or, comme ça, c'est vrai que le livre est très simple, mais finalement, j'aime bien, c'est assez sobre. Et donc ici, on est dans un monde de Miss, puisqu'on va en fait être dans une élection de la plus belle femme de France. Et on va voir qu'en fait, tout n'est pas vraiment si simple et si facile dans la vie de Miss. Donc ici, on va surtout suivre Morgane, qui va devenir la plus belle femme de France. Et on va se rendre compte avec elle que tout n'est pas paillettes et la célébrité n'est pas que bien. Donc c'est un livre assez intéressant, assez bien. C'est pas foufou, mais franchement, j'ai bien aimé. Et ça change un petit peu. Ensuite, j'ai reçu de la part des éditions Eyeholz les épreuves non corrigées de Amstramgram, ça sera toi qui me plaira. Alors c'est un livre qui est sorti le 1er novembre, il me semble. Alors ici, on rencontre Camille qui apparemment travaille dans une grande entreprise, mais qui n'a pas d'attachement particulier en fait pour son travail, et ni pour les collègues, et apparemment on dit qu'elle n'a pas d'attache pour pas grand monde en fait. Et du coup apparemment elle aurait une amie et un voisin, et c'est les seules personnes avec qui on va dire qu'elle a des liens sociaux. Et voilà, donc après, de toute façon c'est du feel good, donc je pense qu'on va avancer avec elle dans sa vie, dans son quotidien, et je pense qu'on va la voir évoluer, hein. Et c'est vrai que c'est ce que j'aime bien dans ces histoires, parce que c'est des histoires qui donnent souvent un peu d'espoir et de courage, et c'est pas toujours sympa, donc je vous dirai ce que j'en pense dès que j'aurai lu. Ensuite, oui, il y a encore des livres. J'ai acheté une seconde chance aux éditions Les Bas Bleus. Alors j'avais bien aimé les trois premiers livres qui sont sortis de cette maison d'édition, en partie 1 surtout, je crois que je l'ai. Attendez, j'avais bien aimé Juste un défi entre nous, donc n'hésitez pas à lire si vous ne l'avez pas encore lu. Et du coup ça m'a donné envie de lire d'autres. Alors j'ai pas pu tous les acheter parce que bon, faudrait un budget un peu complètement fou pour acheter tous les livres de partout. Mais du coup celui-là m'a beaucoup tenté, déjà par sa couverture que j'ai trouvé très jolie, très épurée et très simple. Mais aussi par le résumé tout simplement, puisqu'on parle apparemment de Sarah qui aurait quitté son emploi et qui trouverait refuge chez une amie de sa mère. Pour qu'elle l'embauche en fait dans une brasserie, donc elle change un peu de vie en quelque sorte. Donc apparemment on va découvrir que Sarah est enceinte de son compagnon Romain qui lui ne veut pas d'enfant. Et donc elle va devoir prendre une décision difficile à ce moment-là, assumer ou non l'enfant, et surtout seule du coup. Et donc là elle va faire une rencontre, enfin plusieurs rencontres je suppose, mais surtout la rencontre d'un docteur qui s'appelle Maxime Kervalan, je suppose. J'ai toujours du mal à prononcer, hein, m'en voulez pas. et qui lui vient d'être abandonné par sa femme du coup, et qui lui reproche la perte du bébé qu'ils attendaient ensemble. Et du coup voilà, je pense qu'on va apprendre un peu à leur vie, apprendre à les faire, ils vont évoluer je pense avec l'aide l'un de l'autre, et ça a l'air d'être en tout cas une belle histoire. Bon, j'ai vraiment hâte de la découvrir, du moins j'espère. J'ai encore failli faire tomber le livre. Du coup il me reste 4 livres à vous présenter et après c'est terminé, je vous promets, enfin j'espère que j'en ai pas oublié. Sinon, ma foi, c'est comme ça. Du coup, j'ai acheté 2 livres aux éditions Harlequin. Alors ça, c'est le tome 2 de Rebel Bikers de Jackie Ashenden. Donc là, c'est Attraction. Alors j'ai bien aimé ce petit tome. Bon, c'est facile à lire, c'est rapide. Franchement, c'est même très très rapide, j'avoue. C'est pas une lecture pleine d'émotions, mais c'est une lecture facile à lire. Franchement, moi, je l'ai lu en même pas une journée, hein. Et donc ici, on a Jack, qu'on appelle aussi Tiger, qui va venir donc en aide à Summer. Donc Tiger, lui, c'est celui qui est évidemment dans le club de bikers. Et Summer, c'est la fille d'un chef de police. Donc, je sais plus exactement la profession, mais voilà. Et donc évidemment, ils vont terminer ensemble, on s'en doute déjà en lisant le résumé. Mais c'est une histoire vraiment sympathique, rapide, et une petite romance comme on les aime. Et ensuite, j'ai acheté donc Bad Boys, qui est la trilogie intégrale de Sandra Marton. C'est aussi une petite trilogie, donc c'est rapide, hein, puisqu'en fait c'est 3 petites nouvelles, donc évidemment, voilà, vous vous rendez bien compte que à peine ils se croisent, ils sont ensemble, mais j'aime plutôt bien, surtout pour se réchauffer en ce moment, c'est des petites lectures sympathiques. J'avoue que j'ai bien aimé Travis, qui est donc la dernière histoire, mais je veux dire, les trois frères sont sympas à découvrir. J'ai eu un peu plus de mal avec la première histoire, malheureusement, que j'ai vraiment trouvé trop trop rapide, mais les deux autres valent vraiment le coup. Et ensuite pour terminer, j'ai acheté L'inconnu d'Halloween de Marie Hart dans la collection exclusive de J'ai lu. C'est un livre que j'attendais beaucoup. Alors je suis assez mitigée, j'ai bien aimé et en même temps c'est entre la déception et le bien aimé quoi. Parce que en fait j'ai trouvé la romance beaucoup trop rapide. La mouche elle continue à venir faire sa petite promenade là.
Ah, du coup, c'est vraiment ce que j'ai trouvé beaucoup trop rapide, malheureusement, et surtout, pas très réel en fait. Pourtant, les personnages ont l'air bien réels et ils étaient vraiment attachants. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé les personnages, même si c'est vrai que le personnage féminin, c'est Sadie, voilà, elle s'appelle. Il peut paraître un peu pénible par moment, mais moi, je me suis plutôt attachée à elle. Donc après, je pense que ça dépend aussi de vous, de votre personnalité et de ce que vous attendez d'un personnage. Mais par contre, évidemment, j'ai pas trop aimé la romance. J'ai trouvé la romance un peu mal travaillée, malheureusement, et surtout beaucoup trop rapide. Donc après, c'est mon avis, mais par contre, je pense quand même que c'est une bonne romance. Surtout là, c'était une bonne romance pour le moment d'Halloween, parce que ça nous laissait un peu dans les déguisements, dans les pâtisseries, les bonbons, tout ça. Donc c'était plutôt marrant pour la saison, en tout cas. Ensuite, j'ai acheté Les Filles de Roanoke de Amy Angel aux éditions J'ai Lu. Alors ici, c'est un thriller. Donc c'est un peu différent de ce que je vous ai présenté avant. Et donc ici on retrouve Lane qui a 16 ans. En fait sa mère s'est malheureusement suicidée et du coup elle a 16 ans donc elle ne veut pas rester toute seule. Et sa garde est confiée à ses grands-parents qu'elle ne connaît pas. En fait elle n'avait même pas idée de leur existence. Et du coup ses grands-parents habitent au domaine des Roanoke. Et dès qu'elle arrive là-haut elle sent l'ambiance un peu spéciale, un peu bizarre. Et en fait elle ne se sent pas très très bien dans cet endroit. Et 10 ans après, la cousine de Lane va donc disparaître et elle va donc chercher toute seule le pourquoi, le comment, où est-ce qu'elle peut être. Elle va partir à sa recherche et ça va être apparemment le moment où elle va déterrer de beaucoup de secrets, de souvenirs, etc. Donc on a l'air de partir dans une belle petite quête, en tout cas belle, je sais pas, mais dans une quête et dans un bon thriller. Joli mais assez captivant surtout parce que rien que le résumé donne en tout cas très envie, moi ça me rend assez curieuse donc j'ai hâte de lire ce petit livre. Voilà, c'est terminé pour mon book haul du mois d'octobre, alors j'espère que ça vous a plu. J'ai acheté pas mal de livres et j'en ai reçu pas mal mais je suis assez contente parce que j'ai un petit peu tous les genres et du coup j'aime bien parce que ça me permet de varier un petit peu mes lectures. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez acheté au mois d'octobre et ce que vous avez prévu de lire au mois de novembre. Si vous souhaitez savoir ce que moi je vais lire, eh bien ma pale de novembre est en ligne sur le blog, donc je vous mets les liens en barre d'infos. Si vous voulez aimer, commenter et vous abonner, ça nous fera toujours plaisir. Et moi je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo livresque. Bye !